ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang, ma délivrance, sort de ton... Que le diable le veuille ou non, les plans de Dieu pour cette église s'accomplira au nom de Jésus-Christ. Je prie simplement que la grâce me soit accordée et la grâce te soit aussi accordée de voir les grandes choses que Dieu va faire dans cette église et que tu en fasses partie au nom de Jésus-Christ. Tout celui par qui l'Éternel passe ne manque pas sa bénédiction. Au nom de Jésus. Je prie aussi que Dieu t'accorde la grâce d'être débarrassé de toutes les personnes qui bloquent l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie. Mais au même moment, je prie que le Seigneur attire vers toi des gens comme des Barnabas qui sont capables de venir te prendre et de t'amener au niveau supérieur de la réalisation du plan de Dieu pour toi. Alléluia. Et que l'Éternel t'accorde la grâce aussi de savoir sélectionner les gens qui doivent être avec toi, mais aussi de désélectionner les gens qui ne doivent pas être avec toi. Dans tous les domaines de la vie, la grâce de sélectionner et de désélectionner. Vous savez, si vous avez cette grâce, ça veut dire que vous êtes qualifié pour aller au niveau supérieur. Que Dieu vous accorde cette grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Les commandements et l'avantage de s'aimer les uns les autres. Tel est l'enseignement que nous avons commencé et depuis un certain nombre de dimanches pour lesquels nous voulons et nous voulons pourquoi pas boucler aujourd'hui dans les commandements et l'avantage de s'aimer les uns les autres. Dans Jean chapitre 13, 34 à 35, nous lisons, et c'est Jésus qui parle, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est clairement de la bouche du Seigneur que nous attendons ces commandements, mais il ne les donne pas seulement, il donne aussi ce que serait la conséquence. Et cette conséquence est bien une conséquence positive. Il dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Dans Jean chapitre 15, au verset 12, il réitère le commandement et dit, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Au verset 17, de même Jean 15, il répète encore et il dit, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est un commandement que nous voyons plus tard les apôtres relayer. Et trois de ceux que nous pouvons appeler des grands apôtres ont relayé ce commandement. Nous voyons Paul relayer ce commandement quand il dit dans Romains chapitre 13, verset 8, « Ne devez rien à personne si c'est d'aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. » Il y met encore plus d'emphase, non seulement en montrant que c'est un commandement, mais il dit, il présente ce commandement comme une dette que nous avons, quelque chose que nous devons aux autres. Nous aimer les uns les autres. Et Jean l'a répété aussi, Pierre l'a répété à plusieurs manières. À plusieurs reprises, Jean l'a répété. Et nous avions vu comment nous devions nous aimer les uns les autres. Il y a quatre manières que la Bible nous présente. Du moins, nous devons nous aimer selon le modèle de Jésus-Christ. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Tu n'aimes pas ton prochain comme toi tu l'aimerais, mais tu aimes ton prochain comme Jésus nous a aimés. Et nous avons vu aussi, d'après Pierre, 1, verset 22, que nous devons nous aimer les uns les autres d'un amour sincère. Deuxièmement, et puis troisièmement, avec une charité ardente, d'un amour ardent, chaleureux. Et quatrièmement, de tout cœur.
Quels sont les avantages de nous aimer les uns les autres et pourquoi nous devrions le faire impérativement? Pourquoi nous devons nous aimer les uns les autres? Qu'est-ce que nous-mêmes nous démontrons? Qu'est-ce que nous gagnons et qu'est-ce que les autres peuvent gagner? Nous avons vu, premièrement, que c'est la preuve de la nouvelle naissance. Si vraiment tu es né de nouveau et un vrai enfant de Dieu, tu vas aimer les autres. N'aime pas les autres. Tu donnes à la nation que tu es un enfant de Dieu. Deuxièmement, nous avons vu que c'est la preuve de l'amour pour Dieu. Personne ne peut dire qu'il aime ou il aime Dieu ou elle aime Dieu s'il n'aime pas les enfants de Dieu. 1 Jean chapitre 5, verset 1. Et troisièmement, nous avons vu que c'est la preuve que Dieu demeure en nous. Si vraiment Dieu est en vous, vous allez aimer les autres. Si vous n'aimez pas les autres, c'est la preuve que Dieu ne demeure pas en vous. Peut-être que vous avez donné votre vie à Jésus un jour et que vous vous êtes éloigné du péché un jour, mais quand vous n'avez plus l'amour les uns pour les autres, c'est la preuve que Dieu ne demeure pas en vous. Quatrièmement, nous avons vu que c'est une réponse à l'amour de Dieu envers nous. Si nous aimons les autres, c'est pour dire à Dieu merci parce que toi tu nous as aimés et vois aussi, nous aussi, nous nous aimons les uns les autres. C'est que nous donnons la réponse à Dieu de ce qu'il a fait pour nous. En reconnaissance à l'amour de Dieu pour nous, c'est pour ça que nous aimons les autres. Cinquièmement, avions-nous vu, c'est le moyen de nous accueillir les uns les autres comme Christ nous a accueillis. Vous savez, là où pas l'amour les uns envers les autres, nous ne nous accueillons pas correctement. C'est là que je voudrais juste insister un tout petit peu avant de passer à d'autres points. C'est là que, frères et sœurs, nous arrivons à nous accepter comme Christ nous a acceptés. Vous savez, j'ai lu un post cette semaine qui m'a beaucoup intéressé. C'est de l'une des personnes que Dieu a appelées au ministère des chants. Il dit, l'Église, c'est l'ensemble des ex-pécheurs. L'Église est l'ensemble des ex-pécheurs. Qui n'a jamais été pécheur? Qui n'a jamais été pécheur qui lève la main? C'est l'ensemble des ex-pécheurs. Donc, personne ne devrait mépriser les pécheurs. Parce que nous tous, nous avons été des pécheurs. Mais parce que nous ne nous aimons pas les uns les autres, il y a toutes sortes de discriminations qu'il y a dans l'Église. Et parmi les discriminations, il y a la discrimination par rapport à notre background. Vous savez qu'il y a des gens, quand vous les regardez par rapport à son passé, vous avez du mal à l'aimer. Mais Christ nous a aimés malgré notre passé. Vous savez qu'il y a des gens à l'Église, quand vous vous connaissez, si votre passé et que votre passé était tout à fait horrible, ils vont avoir des réserves vis-à-vis de vous. Avez-vous déjà remarqué ça? Il y a des gens qui vont vous dire, il est converti, mais... Toi aussi, tu es converti, mais tu étais aussi un pécheur. Tu étais un païen. Et vous allez voir dans l'Église, nous ne nous accueillons pas comme Christ nous a accueillis parce que nous avons les considérations des richesses. Les riches s'aiment entre eux, les pauvres s'aiment entre eux. Il n'y a pas relation entre les riches et les pauvres. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cet amour les uns envers les autres. S'il y avait vraiment l'amour les uns envers les autres, nous allions nous accueillir comme Christ nous a accueillis.
Pas de discrimination. Pas de discrimination. Que tu sois riche, que tu sois pauvre. Et puis, je l'ai déjà dit, c'est comme ça que même certains passent à côté des bénédictions. L'église, ce n'est pas le lieu d'étalage des richesses. Il y a bien des gens qui sont bénis par Dieu, mais par leur humilité, tu ne sauras même pas qu'ils ont beaucoup de bien. Alors, tu vas les mépriser et tu te méprises toi-même. Alléluia. Dis à ton voisin, tu me parais être plus riche que moi. Dis ça à ton voisin, tu me parais être plus riche que moi. Et tu vas voir, par la grâce de Dieu, c'est peut-être vrai. Alléluia. Alléluia. Mais dis à ton voisin, que tu sois riche, que tu sois pauvre, je t'aime de l'amour du Seigneur. Alléluia. Et nous avons vu aussi, comme sixième avantage, c'est le moyen de nous saluer les uns les autres par un saint baiser. S'il n'y a pas l'amour, on ne va pas se saluer par un saint baiser. Au moins, dans quatre passages de la Bible, dans le Nouveau Testament, il nous est demandé de nous saluer les uns les autres par un saint baiser. Mais comme je l'avais dit, sans l'amour, tu vas regarder la personne à côté de toi. Ah, moi, les saluer par un saint baiser. Ah, quand même, on est à l'église. Shalom. Il y a des commandements de Dieu comme celui-ci, de nous saluer les uns les autres par un saint baiser que tu ne sauras pas. Déjà, toi, tu ne sauras pas tenir quelqu'un. Tu ne sauras pas. Tu vas peut-être les saluer comme à un moment donné, c'était arrivé avec nos politiciens dans ces mondes, dans ces continents. Je connais un pays où, à cause des empoisonnements qu'il y avait, les politiciens ont commencé à se saluer. Quand ils veulent se saluer comme ça, ils se touchent pas à distance. Vous connaissez ce pays-là? Moi, je connais ce pays-là. Si vous en avez un peu de connaissance. Ah, donc là, vous voyez, ils se soupçonnent. Demande à ton voisin, est-ce que tu m'aimes vraiment? De l'amour du Seigneur. Ne crains pas. C'est l'amour du Seigneur. Alors demande-lui, est-ce que tu m'aimes vraiment? Demande à ton voisin, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'acceptes comme Christ m'a accepté? Est-ce que tu m'acceptes comme Christ m'a accepté? Si tu m'acceptes comme Christ m'a accepté, mettons-nous debout. Dis ça à ton voisin, dis-lui, mettons-nous debout. Si tu m'acceptes comme Christ m'a accepté, mettons-nous debout. Si tu m'acceptes comme Christ m'a accepté, saluons-nous par un saint baiser. Saluons-nous par un saint baiser. Regarde, ton voisin est bien tombé parce que tu es quelqu'un de sa catégorie. Change un peu de voisin. Change de voisin. Non, regarde. Non. Ne pas pas tenir quelqu'un. Pose-lui d'abord la question. Est-ce que tu m'acceptes comme Christ m'a accepté? Est-ce que tu m'aimes? Salue-moi par un saint baiser. C'est un saint baiser, hein? Alléluia. Si quelqu'un était venu malade d'affection, aujourd'hui il va recevoir l'affection au nom de Jésus-Christ. Vous savez, il y en a qui souffrent des manques d'amour et des manques d'affection. Et les gens qui souffrent des manques d'affection, ce sont les gens qui sont en manque. C'est qu'ils n'ont pas à donner. Regarde-les bien. Dis-lui, tu es venu dans la maison. Tu es mon frère, non? Tu es ma soeur. Allez, reçois. Donne-lui ça. Donne-lui. Ne venez pas vers moi, sinon c'est toute l'église qui va venir vers moi. Allez-y, donne à quelqu'un. Ah, tu vois. Si tu vois quelqu'un qui est debout comme un drapeau, tu lui dis, tu es drapeau ou bien? Va vers... Bon, regarde. On recommence devant le Seigneur. Écoute.
écouter d'abord. Ah, on recommence. Tu vas être sûr que tu as salué au moins 10 personnes par un saint baiser et en cherchant à connaître leurs noms. Ne va pas saluer les gens comme ça, tu ne connais pas les noms. Vas-y maintenant. Et puis tu comptes. Si tu vois que tu as fait 10, après tu t'assois. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. J'ai pitié de ceux qui sont à la sécurité. Très peu de gens s'approchent d'eux. Hein. Pas vers moi. Pas vers moi. Moi, je ne souffre pas de manque d'amour. J'en ai beaucoup à donner. C'est comme ça. C'est comme ça. Un saint baiser. Un saint baiser. Si tu vois quelqu'un qui ne bouge pas, peut-être c'est un nouveau. Va vers la personne. C'est ça normalement l'église. Apparemment, les gens qui sont venus en retard, qui sont assis au balcon, ne savent pas que nous sommes en train de nous saluer les uns les autres par un saint baiser. Ils sont même assis. Les gens qui sont au balcon sont même assis. Ils ne se saluent même pas par un saint baiser. Alléluia. J'ai vu un frère qui ne fait que saluer sa femme par des saints baisers. Il ne bouge pas. Si tu es arrivé à 10, va t'asseoir maintenant. Va t'asseoir. Alléluia. Alléluia. C'est ça l'église. J'ai vu deux sœurs du département social se saluer par un saint baiser. Deux sœurs du département social. C'est comme ça. Là, on part vers les personnes qu'on connaît. Toi, tu choisis les personnes vers qui tu pars. Allez, assieds-toi maintenant. Alléluia. Qui aime une église comme ça? Qui aime une église comme ça? Qui aimerait une église où nous venons, nous nous asseyons chacun pour soi? Qui aime une église comme ça? Où tu reçois les saints baisers en cascade au nom de Jésus? Alléluia. Moi, j'avais dit personne ne vient me saluer par des saints baisers. Moi-même, j'en donne d'ailleurs à tout moment. J'entends nos enfants, tout. Ouais. Et puisqu'il s'agit de saints baisers, quand ce sont des vieillards, ah là, je les tiens même. Quand ce sont les jeunes sœurs ou des mamans, saints vraiment, saints, avec Zen Kuchudashi. Alléluia. Parce qu'il s'agit de saints baisers. Il ne faut pas un baiser qui te... Alléluia. Septième avantage. Les commandements de nous aimer les uns les autres et les moyens d'être bons les uns envers les autres. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, quand on décrit l'amour, on dit que la charité cherche à faire du bien. Si nous avons l'amour les uns envers les autres, nous chercherons à être bons les uns envers les autres. Il n'y a pas moyen d'être méchant ou méchante envers une personne que vous aimez. C'est le manque d'amour les uns envers les autres qui nous prive d'être bons aussi les uns envers les autres. Éphésiens chapitre 4, le verset 2 nous dit, en toute humilité, et soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a aussi pardonné en Christ.
Si tu aimes ton prochain, tu seras bon envers quelqu'un, envers lui. Huitièmement, c'est les moyens de nous supporter les uns les autres. 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible nous dit l'amour supporte tout. C'est les moyens de nous supporter les uns les autres. Si nous n'arrivons pas à nous supporter les uns les autres, c'est parce qu'il y a manque d'amour. Il y a manque d'amour. Toujours le passage d'Éphésiens chapitre 4, verset 2, on dit « En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. » Dis à ton voisin « Supporte-moi si tu m'aimes. » Et dis-lui « Je vais te supporter malgré tout. » Dis-lui ça, je t'aime, je vais te supporter malgré tout. Dis-lui, je t'aime, je vais te supporter. Alléluia. C'est, neuvièmement, c'est parce que nous avons l'amour les uns envers les autres que nous avons le moyen de nous pardonner les uns les autres. C'est le moyen de nous pardonner les uns les autres. Là où il n'y a pas l'amour, le pardon est très difficile. Une personne que vous n'aimez pas véritablement, vous pouvez lui pardonner, mais vous pouvez lui pardonner à contre-cœur. Ou vous pouvez lui pardonner par simple devoir. Mais une personne que vous aimez sincèrement, vous êtes même content de le pardonner. Et le pardon que vous lui accordez est réel. Ça efface tout et vous reprenez tout. Si nous avons du mal à nous pardonner les uns les autres dans l'église, c'est parce qu'il n'y a pas d'amour. Dans l'église, nous avons des personnes qui ont des rancunes, qui ont des rancœurs, même envers les autres. Et pourtant, Christ nous a pardonné et Dieu nous a pardonné aussi en Christ. Éphésiens chapitre 4, verset 32 dit: soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Symboliquement, dis à la personne à côté de toi, tel que je vois tous les frères, je pardonne tous les frères et toutes les sœurs, je pardonne. Dis ça, tu pardonnes à tous les frères et les sœurs. Vous êtes béni si aucun frère ou aucune sœur en Christ ne vous a jamais fait du mal. Moi-même, je sais, en tant qu'humain, j'ai aussi offensé certaines personnes et c'est l'occasion pour moi de demander pardon. S'il y a quelque chose que j'ai fait dans ma conduite qui vous a offensé, pas si, dans la chose que j'ai faite, envers vous qui vous a offensé, pardonnez-moi. Il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a jamais été offensé par qui que ce soit. Mais plutôt, la question est comment nous gérons les offenses? Comment nous gérons les blessures que les autres nous font? Si nous aimons véritablement, nous pardonnons. Il y a des chrétiens qui sont aujourd'hui sur leurs réserves tout en étant dans l'église. Ils vivent sous leurs réserves. Ils disent, ah, si tu viens à l'église, ah, tu sais, ah, il faut, ah, hein. Et il ne faut pas te donner à tout le monde. Hein. Tu risques d'être déçu. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a été déçu et qui n'a pas pardonné. C'est pour ça qu'il y en a d'autres qui ne s'intègrent pas dans les groupes, dans les équipes. Ils disent, ah, je préfère aller à l'église, écouter la parole, et c'est fini. Et encore, si une personne a été blessée par un pasteur, waouh! J'ai déjà vu beaucoup de personnes qui ont été blessées par des pasteurs. Allah, c'est difficile. Et quand il a été blessé par un responsable, l'attitude pour beaucoup de gens, l'attitude la meilleure pour beaucoup de gens, qu'ils pensent que l'attitude la meilleure, c'est de quitter. Non! L'attitude la meilleure, c'est de pardonner. Et celui qui ne sait pas pardonner, Dieu va être très rigoureux envers. Le pardon est rendu facile à cause
de l'amour. Dixièmement, c'est le moyen de porter les fardeaux les uns les autres. Les commandements de nous aimer les uns les autres est le moyen de porter les fardeaux les uns des autres. Dans Galates chapitre 6, verset 2, Galates 6, 2, il est écrit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Vous ne pouvez pas porter le poids de votre frère si vous ne l'aimez pas. J'ai dit « Portez du moins sincèrement. » Le poids spirituel de quelqu'un, le poids social et même le poids moral ou le poids financier de quelqu'un, un fardeau de quelqu'un, vous ne pouvez pas porter ça sincèrement tant que vous n'avez pas l'amour. Vous savez, quand vous priez pour quelqu'un, vous pouvez prier par formalité. Mais si vous aimez cette personne, vous prierez avec fardeau. Et ça, ce n'est possible que véritablement là où il y a l'amour. Et tu peux checker ta vie comme ça. Tu verras que, à part les membres de ta famille biologique, je parle de ton père, ta mère, ton mari, ta femme, et tes frères, tes sœurs, tes parents, tes oncles, tantes, tes cousins, cousin, tu n'as pas véritablement prié pour quelqu'un. Tu ne prieras véritablement pour quelqu'un que quand tu l'aimes. Sérieusement, que tu sois chez toi à la maison en train de pleurer pour quelqu'un et faire échouer le plan de Dieu pour cette personne, tu ne peux pas le faire si tu ne l'aimes pas. Prier pour quelqu'un. Il y a des personnes pour qui je suis en train de prendre un long moment de prière. Maintenant là, au moment où je vous parle, il y a des personnes pour qui je suis en prière. Il y en a une autre personne, on est en prière de 21 jours. Il y a des personnes qui sont ici dans cette assemblée avec qui j'ai prié pendant 8 mois. 8 mois, j'ai prié. 8 mois, 8 mois. J'ai prié chaque jour. Chaque jour. Tu ne peux pas prier pour quelqu'un, porter les fardeaux de quelqu'un comme ça si tu ne l'aimes pas. Tu ne peux pas porter les fardeaux spirituels de quelqu'un comme ça, porter les fardeaux moraux de quelqu'un si tu ne l'aimes pas. Écoutez, il y a une compassion naturelle. Je ne parle pas de la compassion naturelle, je parle de l'amour. Véritable, l'amour agapé. Vous voyez, par exemple, si vous voyez quelqu'un faire un accident, tout le monde va dire, hé, pitié. Comme on dit chez nous, ma ouais. Et puis, dans les minutes qui vont suivre, c'est fini. Vous oubliez même. Ou bien, quand tu es en train de manger, tu dis, je pense encore à cet accident-là, ça me dérange pour mon manger. Mais si c'est une personne que tu aimes, ce n'est pas que l'image qui va te faire manquer l'appétit. C'est même le problème qui va te faire manquer l'appétit. Parce que tu portes la personne. Tu ne dors pas. Comment toi tu ne vas pas dormir pour un frère ou une sœur en Christ parce qu'il est dans un problème si tu ne l'aimes pas? Impossible. Impossible. Tu ne peux pas porter le fardeau des gens. Spirituel, leur problème spirituel, leur problème moral, tu ne peux pas si tu ne les aimes pas. Tu feras peut-être semblant. Tu donneras l'impression qu'ils comptent pour toi. Mais ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas vraiment la vérité. Les personnes que tu aimes, de l'amour du Seigneur, tu n'as qu'à checker ton cœur si tu le portes, si tu portes le poids de leur vie dans ton cœur. Et arrête de dire à quelqu'un que tu l'aimes alors que son sort ne te concerne pas. Si le sort d'une personne ne te concerne pas, arrête. Ça veut dire, si vraiment tu aimes quelqu'un,
quand tu t'approches de la personne, tu l'as salué avec un saint baiser. Tu ne sais même pas s'il a mangé ou pas. Moi, je te réponds, je n'ai pas mangé. C'est pour ça que je ne voulais même pas que vous puissiez venir me saluer par un saint baiser. Parce que personne n'allait me demander est-ce que tu as mangé, pasteur. Mais je vais manger. À 5 heures du matin, j'ai déjà fait mon petit truc, ça se trouve là-dessus. J'ai apprêté mon pain. Je suis sorti en retard de la maison. Je voulais arriver ici à 6 heures. Malheureusement, je suis arrivé à 6 heures 40 ou 20, quelque chose comme ça. Je voulais arriver à 6 heures juste. Je commence à me poser la question si je ne dois pas commencer à arriver à 5 heures chaque dimanche. La clôture à Souta. Ya Baba. 5 heures, je suis là. Dans la semaine, j'ai changé. Dans la semaine, je commence maintenant mes prières 1h30 avant. 1h30 avant les cultes, je commence ma prière. Mercredi et vendredi. Maintenant, les dimanches, aujourd'hui, je voulais faire au moins 1 heure. Mais je n'ai pas réussi. Je vais commencer à faire même peut-être 2 heures ou 3 heures. Peut-être à 3 heures du matin, je suis déjà là en veste, en train de prier. Shababara Kotoson. Il y a des gens qui aiment Dieu. C'est Kota là-bas. Yeah. Et vous ne pouvez pas vous attendre à de grandes choses avec Dieu si vous n'êtes pas sérieux avec Dieu. L'incrotoson. J'ai mon pain là-bas. Tu as salué déjà, tu ne te préoccupes. Si tu aimes quelqu'un, moi je ne sais pas, automatiquement, quand je suis avec quelqu'un que j'aime, je cherche à savoir la personne travaille, la personne avance, la personne fait comment. Tu ne peux pas avoir. Et en fait, nous sommes indifférents au sort les uns des autres parce qu'il nous manque l'amour. Il nous manque l'amour. Et c'est ce qui fait que même toute possibilité que tu avais d'aider les autres, tu ne peux même pas actionner ça. Parce que tu n'as pas l'amour. Onzièmement, c'est le moyen d'exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Pierre chapitre 4 verset 9. Il nous a dit, exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Tu ne peux pas visiter les gens que tu n'aimes pas, des vrais. Et tu ne peux pas recevoir chez toi les gens sans murmurer alors que tu ne les aimes pas. Je sais une chose, tout le monde ici sera content s'il voit que je pars les visiter. Qui serait content que je les visite? Qui serait vraiment content que je les visite chez lui à la maison? Non, sincèrement, dis, sincèrement. Bon, arrange-toi, invite-moi, je vais venir. Bon, tu n'as pas... Bon, d'accord, j'annule ça alors. Je voulais demander que tu t'arranges à m'inviter que je vienne. Mais si tu m'invites, prépare au moins la nourriture pour beaucoup de gens. Je ne viens pas seul. Si c'est de l'eau seulement que tu vas me donner, pardon, ne réserve pas un verre d'eau. Prépare au moins 2 verres. Par la sagesse, un pasteur ne peut pas aller visiter les gens seuls. Jésus n'a jamais visité les gens seuls. C'est la raison pour laquelle le jour où les disciples l'ont vu avec une femme, ils étaient étonnés. Ils ont dit, comment il parle avec une femme seule? Ils ne l'ont jamais vu parler avec une femme seule. Si vous voyez un pasteur aller visiter, surtout aller visiter une femme seule, c'est quel choc ça. Quel choc. Choc. Hey! Qui veut que je le visite chez lui à la maison? S'il vous plaît, si quelqu'un vient vous visiter à la maison, si vous murmurez, vous avez un problème. Parce que la Bible ne vous demande même pas de lui donner votre fumboi. La Bible dit de donner quoi? Un verre d'eau. Qui n'a pas de l'eau? Oh oui, je sais qu'il y en a qui n'ont pas d'eau, ça n'a pas coulé. On est quand même dans un pays où il y a possibilité de ne pas avoir l'eau. Alléluia. Mais pourquoi nous ne nous visitons pas? Il n'y a pas l'amour. Et pourquoi quand un frère et une soeur viennent te visiter, tu commences à te poser la question, il vient chercher quoi?
C'est parce qu'il n'y a pas l'amour. Demande pas à ton voisin. Si c'est ton mari, ne lui demande pas. Demande à quelqu'un d'autre. Si demande-lui, toi dans cette église, tu as déjà visité combien de gens? Demande. Sois un peu obéissant. Demande, demande. Sans murmure. Regarde, regardez. Écoutez, dans cette église, il y a les invisitables, les invisitats et les invisitaires. Il y a des gens ici dans cette église, personne ne connaît même chez lui. Hier, j'étais en train de parler avec quelqu'un qui est dans cette église. Il ne sait même pas où j'habite. Je lui ai dit, j'habite, mais toi, il dit, c'est proche de l'église. Alors qu'on parle beaucoup avec la personne. Donc, il ne s'est même jamais demandé où est-ce que la personne habite. Il y a des gens, si vous vous posez la question, votre pasteur habite où? C'est la preuve que ton amour, là, pour moi, c'est un peu. Tu chercherais à savoir quand même où est-ce qu'habite ton frère, où est-ce qu'habite ta sœur. Et tu iras les visiter. Quand les gens viennent te visiter, ce n'est pas à ce moment-là. Moi, quand les gens viennent me visiter, demandez à ceux qui viennent me visiter. Par exemple, jusqu'à ce que maman Viviane viendra. Si vous venez me visiter, sauf conviction du Saint-Esprit, je ne partagerai pas ma nourriture avec vous. Je suis clair, quand quelqu'un vient me visiter, je dis, ma femme m'a laissé la nourriture comme il faut. Donc, si tu viens, je t'achète autre chose. Tu vois, tu es venu. Si tu me trouves en train de manger, je vais te dire, tu ne fais pas ça. Surtout pas quand c'est le jour de Ponomadus. Je ne te dis pas ça. Je te dis, tu vas manger autre chose. Et puis, je t'achète autre chose. Je suis sincère. Mais il ne faut pas éviter les frères qui sont en train de venir te voir à la maison. Tu dis tout ça. Mais sauf conviction du Saint-Esprit, hein. Il y en a quand même qui ont mangé chez moi malgré tout ça. Que je dise, on dit qu'il faut dire la vérité avec amour, non? Moi, surtout quand tu es marié, je peux arriver à partager avec les gens qui ne sont pas mariés. Surtout si tu es marié, que je partage en plus avec toi. Toi, quand tu vas rentrer chez toi à la maison, ta femme va préparer pour toi. Et puis, moi, je suis en train de passer par un temps de tribulation. Et puis, tu veux venir. Je vais être clair avec toi. Je vais dire, tu ne vas pas manger. Tu ne vas pas manger ça, tu vas manger autre chose. Je vais te donner autre chose. Je n'ai pas envie de décaler mon heure de manger parce que tu es là. Je vais m'asseoir, je mange et je te mets là à côté. Je dis, toi, tu manges ça. Mais c'est parce que tu n'aimes pas les autres. Quand ils arrivent, tu décales un peu le temps de manger. Choc! 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 Choca! Soit dit en passant, il ne faut pas venir me donner à manger maintenant là. Si tu veux me donner à manger, c'est que tu ne connais pas ma discipline. Tout ce que je mange est jaugé par ma femme. Deux personnes marchent-ils ensemble sans qu'ils ne s'accordent? Ce n'est pas le moment de venir m'offrir à manger. Tout ce qui m'offre à manger, je prends les photos, j'envoie à ma femme. Je dis. Ouais. Moi, je suis sincère. Ah. Mais si toi, tu ne visites pas les gens, et si les gens ne viennent pas te visiter, parce qu'il n'y a pas l'amour. Ah, moi, il y a des gens qui risquent de ne pas venir me voir. Ils vont dire, quand je... Et puis, tu ne sauras même pas à quelle heure je mange. Viens à toi, viens. Et puis ne crains pas le jour où tu vas me voir venir chez toi te visiter. Tu commences à craindre que ma nourriture c'est fini. Je ne mange pas beaucoup. Tu ne vois pas la taille quand même. Est-ce que la taille de quelqu'un comme ça, ça peut te faire craindre? Il y a des gens qui n'ont pas l'amour. Dès qu'ils voient quelqu'un chez eux, c'est fini. Ils sont irrités. D'ailleurs, chez eux, à la maison, on a mis même chien méchant. Je l'attends au deuxième culte. Il y a un frère, je suis allé les voir. Je suis allé les visiter à la maison. Les amis, pour ma première fois, je ne savais pas comment prier. J'entre dans la maison, ils ont un gros chien. J'ai dit au frère, si je te dis que je n'ai pas peur, je mens.
j'ose te dire que je n'ai pas peur, je mens. Je lui ai dit, je tremble. Et je tremblais sérieusement, mais j'ai quand même comme un responsable. Donc tu bloques ça quand même. Et pourquoi je tremblais? Moi, généralement, devant un danger, je cherche vite, vite, quelle prière faire. Mais là, la prière ne venait pas. Et je me disais, si ce chien se détache de sa chaîne et il vient, j'ai regardé partout où partir. J'étais avec un frère. Lui, il a vu un ravin où il allait partir. J'ai dit, moi, comment je vais arriver là? Je cherchais, je ne trouvais pas. Hey. Ah. Je suis allé visiter quelqu'un, un membre de l'église, hein, avec un gros chien comme ça. Je dis, yeah. Hey. Prochainement, avant de partir, le Saint-Esprit s'est massé. Je ne veux pas vous dire ce que je vais prendre comme mesure. Je lui ai dit comme ça. Je l'attends. Généralement, il vient au deuxième kit. Je vais lui dire. Et je lui ai promis, je lui ai dit, je dirai ça à l'église. Je suis venu te voir chez toi, un gros chien comme ça, et puis qui me terrorise. C'est en ce moment-là que j'ai compris que je n'ai pas la foi de Daniel. Ah ouais, parce que Daniel, quand même, dans la fosse au lion, il était calme. Non, mais moi aussi, j'ai mes genres de foi. Vous croyez que Daniel avait toute la foi? Les frères étaient en train de me calmer et me dire, pasteur, c'est un chien dressé. Il ne peut pas te mordre si je ne lui dis pas. Ah. Vous voyez qu'il y a des gens qui ont la foi dans un chien, ils n'ont pas la foi en Dieu. Puis ça, alléluia. Il y a des gens, déjà ils ont des chiens chez eux, difficile d'aller les visiter. Mais dis à ton voisin, je vais aller te visiter un jour. Sinon ne viens pas me visiter au ciel dans ma maison. Alléluia. La douzième raison pour laquelle nous devons nous aimer les uns les autres, c'est un témoignage qui attire les non-croyants à Jésus. Quand nous nous aimons les uns les autres, c'est un témoignage qui attire les non-croyants à Jésus. Jésus avait dit dans Jean chapitre 13, 35, c'est à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Dans Actes chapitre 2, du verset 42 au verset 47, nous lisons, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans les mêmes lieux et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient les produits entre eux tous, selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple et ils rompaient les pains dans leur maison, prenant leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Si nous nous aimons les uns les autres, beaucoup de païens vont venir à Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Attention vers toi, j'avance, seul de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang, ma délivrance, sort de ton...